Hello la team, on se retrouve aujourd'hui à la Zombé pour le WOD numéro 33. Et on commence sans plus attendre avec un petit échauffement des familles. Aujourd'hui, 3 exercices en format de répétition 12, 9, 6, 3. Vous allez commencer avec des squats. Des beaux squats au poids du corps. Ok, vous connaissez parfaitement l'exécution. On enchaînera sur des good morning sans charge. Poids du corps également. L'idéal, c'est de placer les mains ici au niveau de la poitrine. Ok. Et on terminera avec des push-up. Allez, à vous de jouer pour l'échauffement. Et je vous retrouve tout de suite pour le Metcon. Allez, on enchaîne avec le Metcon. Au programme aujourd'hui, 2 AMRAP de 7 minutes. On va commencer avec première AMRAP de 7 minutes. 50 DU, si vous n'avez pas les double under, vous partirez sur 85, ok? Combiné à 10 burpees, donc les burpees, je rappelle, hop, on finit bien, on se brandit bien sur la fin du mouvement, et la poitrine touche le sol, en bas du mouvement. Et vous terminerez sur 5 push-up, ici même principe, l'ensemble du corps bien aligné en position de départ, ici il descend, je touche la poitrine et je tends les bras. En fin de mouvement, avec possibilité bien sûr de faire la même exécution sur les genoux. Voilà, AMRAP 7 minutes là-dessus. Derrière, vous avez 2 minutes de récupération. Et on enchaînera un deuxième AMRAP pour lequel vous aurez besoin d'une charge. Vous allez attaquer avec 15 goblet squats. Enchaîner avec 10 American Swing. Ok. On vient bien chercher jusqu'au-dessus de la tête. Et on terminera sur 5 jumping lunges. Donc la condition ici, c'est genoux touchent le sol. Je me grandis, je jump afin d'alterner, de changer de jambe en l'air. Voilà, pour 5 répétitions en AMRAP 7 minutes. Allez, je vous laisse kiffer là-dessus et je vous retrouve tout de suite après pour l'after. Allez, on va finir cette bonne séance par un petit accessory work. Vous aurez 4 tours à faire sur ce format. Il y aura 30 secondes de récupération entre chaque tour et 4 exercices au total. Vous allez commencer avec un gros taf sur la chaîne postérieure. Donc n'hésitez pas à vous lester suffisamment, encore une fois, en fonction de ce que vous avez à la maison. Vous allez attaquer donc soit la charge au niveau de la poitrine, en fonction de ce que vous avez. Si vous avez une barre, ce sera plutôt dans le haut du dos. Okay. 20 secondes de good morning en iso, d'accord? Je tiens la position statique, 20 secondes. Vous avez vu ma position, je garde les fesses hautes, pivot de la hanche ici et je verrouille le dos. 20 secondes, tout de suite enchaîner avec 10 mouvements. Et derrière, un combo ici au niveau du gainage pour 20 secondes de holo. Donc belle position de holo, hein, c'est que 20 secondes de taf, donc je vous demande d'être irréprochable sur l'exécution et donc la technique, combiné à 10 V-up. Ok, vous avez toujours possibilité de plier les genoux, hein, que ce soit sur les V-up ou sur le holo d'ailleurs. Voilà, 4 tours là-dessus, 30 secondes de récup entre les tours. Je vous souhaite de kiffer cette petite séance et nous on va se retrouver la semaine prochaine pour un nouveau WOD. Bye bye.